Mes salutations à vous, très chers internautes. Merci d'être très nombreux à suivre ces programmes. Alors, je vais partager avec vous comment moi je fais pour transformer ces chenilles que vous voyez en un plat simple mais très délicieux. Alors, comme ingrédients, j'ai les chenilles, j'ai un morceau d'aubergine, j'ai un poivron vert, j'ai une tête d'ail, j'ai un cube crevette avec moi, j'ai l'oignon, j'ai deux grosses tomates, j'ai du sel, j'ai de l'huile, des tournesols, j'ai de l'eau et cette chicoine que vous voyez va accompagner la recette à la fin. Alors comment on va procéder? D'abord, ces chenilles sèches que vous voyez vont être mises dans la assiette. Ok, je commence par mettre mes chenilles dans ces grands bols. Je vais ajouter de l'eau, beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau. Je vais ajouter du sel, beaucoup de sel, comme ça. Je vais laisser reposer mes chenilles pendant tout au moins 2 heures du temps et après je vais revenir pour pouvoir continuer avec ma recette. Ok les amis, là on avait laissé nos chenilles se reposer dans l'eau pendant 3 heures du temps et je vais un peu tester les résultats. Très bon. Donc après 3 heures du temps dans l'eau salée, les chenilles se sont ramollies et le sel a vraiment pénétré mes tulipes que vous appelez chenilles. Très bien. Donc ce que je vais faire, je vais goûter mes chenilles. Vous devez faire attention parce que les chenilles contiennent quelquefois des grains de sable. Donc vous devez bien les nettoyer, bien les égoutter pour ne pas amener avec vous les grains de sable dans la casserole. Donc là, je vais ajouter les oignons que j'ai émincés. J'avais juste utilisé la moitié de l'oignon. J'ai utilisé ici 5 gousses d'ail, c'était des petites gousses que j'ai râpées comme ça. J'ai utilisé aussi la moitié d'un poivron vert que j'ai coupé en petites lamelles. J'ajoute aussi l'aubergine que je vous avais présentée au début de l'émission. Je l'avais épluchée puis coupée en lamelles. Donc j'ai mis mes 2 grosses tomates que j'avais, je les ai râpées, je les ai écrasées comme ça. Donc je les ajoute aussi. Je prends un quart des cubes crevettes, je l'ajoute. Le cube est facultatif, si vous voulez consommer votre nourriture bio, vous pouvez ne pas les mettre. Alors je vais ajouter 200 ml d'eau pour permettre à mes tranches d'aubergine de se ramollir et aussi de l'huile. Donc comme j'avais déjà mis le sel dans les chenilles pendant que je l'avais laissé reposer, je préfère ne pas ajouter le sel. Je vais préparer, je vais le laisser mijoter comme ça et à la fin je vais voir
si après avoir fait les tests de sel, je trouve que ça manque un peu, là je pourrais ajouter, sinon je vais laisser mijoter comme ça. Donc je couvre et je vais l'amener au feu pendant une vingtaine de minutes et après je vais continuer.